Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de France, hein, mois de juillet, petit stage d'été à HEC et on en profite pour visiter la famille et surtout un client, Thomas Connor, originaire de Paris, installé à Troyes depuis quelques années, qui a la chance d'investir en Lettonie par l'intermédiaire de Life Invest dans l'immobilier locatif. Se séparant d'un bien à Troyes, il investit son capital maintenant dans les Pays-Baltes. Avec nous, nous fait confiance, donc on lui fait une surprise. J'ai hâte de le rencontrer en personne, hein, on s'est vu en visio. Et si tu demandes qui je suis aujourd'hui, eh bien je suis Romain Armato, PDG de Life Invest. J'aide les personnes à haute capacité financière à réaliser des investissements locatifs à l'étranger avec succès. Je t'invite à aller sur www.lifeinvest.eu pour découvrir ce qu'on fait. En direct de Troyes. Bonjour. C'était pas prévu ça. Pas du tout, dernière minute. On se retrouve la semaine prochaine pour un investissement immobilier à Riga. Exact. Tu nous fais découvrir un petit peu ton quartier. C'est beau ici, hein. C'est bon. Colombage. Bon, après, les immeubles pas droits, c'est typique là par contre. C'est magnifique. Alors, du coup, moi j'ai emménagé à Troyes du coup il y a une dizaine d'années. Parti sur Sens, une petite année. Bon, après mutation, je suis revenu ici. Okay. Donc j'avais un appartement en location que j'ai voulu réinvestir mieux, on va dire, donc à l'étranger. Et du coup, je profite d'une solution tout en main, proposée par toi-même, clé en main, facilité, du coup, à Riga. Donc, très belle opportunité. Donc, super que je voulais faire. Excellent. Et du coup, tu as fait une opération rentable ici. Ouais. T'as revendu avec ton locataire à un petit jeune parisien, tout jeune qui se lançait. Donc, très content pour lui aussi. Oui, vraiment. En plus, il a un appartement du coup clé en main avec locataire. Donc, il ne s'occupe de rien. Génial. Et des opportunités, il y en a ici. Mais tu me disais hors caméra. La rentabilité n'était pas là, ouais. La facilité administrative non plus. Donc, bon, plus long, donc là-bas, bon, à Riga, avec des délais beaucoup plus courts, facilité proposée surtout par toi, parce que interlocuteur français. Ouais. Donc, ouais, je profite de ça, avec une rentabilité plus importante, on va dire, et surtout une facilité administrative. Meilleur aussi. T'as fait la réservation il y a. Il n'y a même pas deux semaines. Tu vois, on est là et déjà. C'est ça, et on signe la semaine prochaine. Et on signe la semaine prochaine. Donc, c'est bouclé de manière définitive chez le notaire en plein mois de juillet. Faut exactement. Noter quand même, entre juin et juillet, généralement, c'est pas facile de mobiliser tout le monde. C'est ça. Mais là, on a su faire ici, j'ai vendu mon appartement. Il a fallu 3 mois, les délais notaires habituels en France. Il t'a fallu 3 mois. Ouais, c'est ça. C'est bien. Et t'as un autre argument qui t'a plu là? Qu'est-ce qui t'a, on va dire, on en parlait hors caméra, mais qu'est-ce qui t'a donné confiance pour passer à l'action comme ça sur un investissement? C'est pas commun, tu vois, d'investir en dehors. Non, c'est sûr. Bah, c'est surtout que je te suivais déjà depuis un petit moment en Estonie. Les retours clients, franchement, me mettent très en confiance. Donc, je me suis même pas vraiment posé la question. Il faut y aller. Il fallait que je saisisse l'opportunité. Je l'ai saisie. Puis... Ah, c'est très bon. Et je suis déjà allé à Riga, donc les quartiers, je les situe à peu près, je sais où c'est. Je connais le centre-ville de Riga, donc je sais comment c'est, tu as une attente, complètement, je sais à quoi m'attendre, donc il n'y a pas de souci pour ça. Prochaine étape, voyage de signature. Exact. Donc comment ça s'est passé jusqu'ici là? T'as reçu l'hôtel, je crois? J'ai reçu la réservation d'hôtel par mail, par ton employé, donc Georges. Voilà, échange, salut Georges. Ouais, très échange parfait, franchement, super simple, très réactif. Donc, ok, le processus jusqu'ici, c'est bien, c'est passé comment? Impeccable, franchement parfait. De la réservation, de ma réservation de l'appartement jusqu'à la réservation de l'hôtel à Riga. La réservation en ligne, c'est ça? Ouais, réservation en ligne, voilà, facile, hein, franchement, un clic, on réserve. Et c'est bon, la journée d'après, je crois, même pas la journée d'après, je vais tout de suite après. Confirmation, je reçois la confirmation. Donc, très facile, avec toutes les infos nécessaires. Franchement, pas de questions à se poser. J'avais tout ce qu'il fallait en info. Excellent, super. J'ai hâte qu'on se voit, qu'on passe ce moment privilégié en Lettonie. Tu rencontres partie de l'équipe. Ouais. Au programme, tu vas check-in le dimanche. Arrive à l'hôtel. Et j'arrive à l'hôtel. Donc, tu seras au Radisson dimanche. Le dimanche. Le lundi, on va visiter l'appartement à 13h. Exact. Comme ça, on fait la visite de conformité. C'est tu ça. T'assures que ce soit conforme à ce que tu as vu en ligne. C'est ça.
Et ensuite, rendez-vous chez le notaire à 16h30. Voilà, voilà. C'est un programme, c'est ça. Et ensuite, on fera le transfert des fonds. Le transfert des fonds intervient après la signature. Donc, c'est assez confortable, je trouve. Dans le sens où tu signes, d'abord tu vois, c'est ça. Ensuite on se pose chez le notaire, on se met d'accord. Le notaire, en passant, représente aussi bien tes intérêts que le vendeur. Ouais. Donc il est neutre. À partir du moment où tu as signé, et ben le transfert d'argent se fait sur les comptes que tu as reçus. Exact. Donc le vendeur et ben, le compte Life Invest. C'est ça, honoraire Life Invest, le compte du vendeur, les taxes de l'État. À payer donc, directement en carte. Donc le Salut. Ouais, je suis connu. Hein. C'est excellent. Et tu auras le frais de notaire à payer sur place. C'est une centaine d'euros. Exact. C'est ça. Ouais. On paye en carte. On n'a pas l'habitude, mais voilà, c'est ça, on paye en carte. Et ensuite, il y a un timbre d'État. C'est 15 euros à payer. Et tu vas avoir une taxe d'État, donc soit 1,5% du montant de la transaction. Donc en gros, grosso modo, c'est aux alentours de 500 euros. Et ensuite, dans les 5 jours, si tu veux, tu as la propriété qui est enregistrée. Ouais. Et moi, je serai là le jour de la signature et je te montrerai vraiment comment faire les virements. Ensuite, on va casser la croûte. Exactement. Radisson au rooftop au 26e étage. Beau cadeau que tu t'offres là cet été pendant que les personnes sont occupées à prendre des vacances. Toi, tu construis. Moi, j'investis à l'étranger pour une première. Un commentaire, une suggestion, une remarque, un partage de valeur que tu as envie de faire comme ça, vu qu'on est en train de filmer? Non, déjà, juste franchement, un mot que je dois retenir pour faciliter grâce à toi et ton entreprise. Franchement, je pensais pas faire ça un jour. Et tu m'as convaincu avec peu, hein, parce que franchement, je n'avais pas besoin vraiment d'être convaincu. Donc, facilité, et je te remercie pour ça. C'est grâce à toi et ton entreprise. Merci Thomas pour ta confiance. La suite, Ariga. On est à Beauvais là aujourd'hui. Voilà, t'es venu léger, un backpack et c'est fini. C'est le voyage 2.0, voyage d'investissement. C'est ça. Premier voyage d'investissement. Ouais, premier voyage d'investissement. Avant, c'était que du tourisme, donc ça change. Ça sera une bonne découverte et puis ça sera un premier et peut-être pas le dernier. T'as reçu le contrat, hier. On reçoit le contrat quelques jours avant la signature définitive de l'acte. Comptant envoyé du coup. Ouais. Le contrat de base est signé en letton chez le notaire, mais eux nous envoient une version en letton, en anglais. Et toi, une traduction en français aussi. Ok. Ouais. Donc tout est très clair en fait. Donc ça change des actes en France. Là c'est très concis, hein. Il y a 11 pages, mais il y a toutes les informations dedans. Il n'y a rien besoin de plus en fait. Des questions, des suggestions, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent, de mieux, vraiment profitant? Écoute, moi pour l'instant ça a été très facile, très clair. J'ai même pas de questions qui viennent comme ça parce que j'ai eu toutes les informations nécessaires. Super. Et de plus, on va signer un pouvoir d'avocat. Ouais. Donc il y a ce document-là qui va nous permettre de gérer ton investissement. Exactement. C'est-à-dire que comme ça, tu n'auras pas besoin de revenir, évidemment. Oui. Ce sera full confort. Ouais. Et ça va vraiment nous permettre de gérer tous les aspects de ton investissement. La seule chose qu'on mettra pas au pouvoir d'avocat, et c'est de sorte à protéger, entre guillemets, l'investisseur, c'est la capacité de revendre. Oui. OK. Donc, au cas où tu souhaiterais revendre à l'avenir, il faudra envisager un retour. Oui. On suit le voyage. On te partagera des images sur le terrain, du coup. En Lettonie, ça va être sympa. Allez, retour en Lettonie. Ça fait plaisir. On se retrouve rapidement pour la visite de conformité, suivie par la signature définitive de l'acte de vente chez le notaire. Let's go, il fait beau, il fait chaud. C'est parti. En direct. Comment c'était hier? Écoute, parfait. Ouais. J'ai fait un petit tour à la plage, j'ai profité. Ok. Hôtel? L'hôtel, impeccable, nickel. 10 sur 10? 10 sur 10, voilà. Petit déjeuner, tu l'as profité? Ouais, j'ai profité. Ouais. On va commander le taxi, puis on se dirige vers l'immeuble. Ça marche.
autour du proprio. Quelles sont tes impressions à chaud là sur l'immeuble? Alors là, très très bien rénové, ça fait vraiment tout neuf. C'est magnifique. C'est vrai que c'est beau. Hein. Oui, on est très proche de, en voiture, très proche de, du centre-ville, donc parfait. On a pris un bol, donc 20 minutes. C'est ça. Ah ouais, très rapide. Par rapport à la description que tu as vue sur notre site, qu'est-ce que tu en penses façon... C'est quoi, c'est fidèle, c'est... Ah bah qu'est-ce complètement que... fidèle, c'est ça. C'est exactement ça. Oh, c'est ça. Très génial. Ouais. Très beau. C'est même mieux en vrai. Bah limite, hein. Excellent. Ils sont très patriotes ici, tu sais. Oui, bah j'ai vu, ouais, il y a beaucoup de drapeaux partout. Hein. Ça fait le charme. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait, c'est super bien fait. C'est vrai? Ah ouais. C'est comme, c'est fidèle à la description, ah, du coup, bah, comment est-ce que... C'est mieux, hein, franchement, la finition au top. Hein. Finition au top, alors salle de bain, vraiment très moderne, toute neuve, magnifique. Ah oui, il y a de la belle mosaïque. Ouais. Et du coup, ça va être assez simple à rénover. Enfin, du coup, à aménager. À aménager, oui, du coup, il n'y a plus que ça. Une note sur 10. 1 étant franchement tu regrettes, 10 étant il n'y a rien à faire. Rien à faire, 10, magnifique. Vraiment? Ah ouais, complètement. Waouh. Ah ouais, non, là, top. Ok. Je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que tu apprécies du coup? Parce que tu as peut-être un œil. Différent du bien? Simple mur blanc, franchement très classique, mais au moins on fait ce qu'on veut. Parquet, très bien. Ouais. Alors là, très bon choix, magnifique. C'est vrai qu'il est bon. Ouais, et puis la salle de bain aussi, franchement très bien. Puis les finitions, rien à dire. Ouais, c'est vrai que c'est bien terminé. C'est vrai qu'il y a une attention au détail. Même les plaintes et tout, tu vois, c'est au millimètre près. Oui, j'ai vu, mais oui. Finishing is perfect, hein, Adrien. Yes. Hein. Yeah, yeah. This needs to be like this everywhere. Yeah, okay. No, but honestly, look, there's no pain bleeding. There's the. See? It's really good for anything else. It's the sentimental. Yeah, it's the. T'as vu toutes les prises que t'as? Ouais, il y a plein de prises. VMC, j'imagine. Yeah. VMC, it's for the kitchen. Un sens, t'avais du 18 mètres carrés et c'était quoi, des pièces aussi rectangulaires? C'était ouais rectangulaire, mais tu vois là on a une petite partie privative là et ça donne une impression de beaucoup plus grand en fait que les 18 mètres carrés que j'avais, qui est que 2 mètres carrés de plus. Parce que tu avais juste une pièce principale. Il y avait une pièce principale. D'accord. Que là c'est bien d'avoir séparé franchement l'entrée couloir salle de bain du reste. Ouais. Ok. Ouais, ça fait un sentiment de plus grand. D'accord. Donc, en fin de compte, tu te sépares de plus petit dans une ville de tiers 2 à l'étroit. Oui. Tu vois, 100 et quelques milliers d'habitants. À Sens, je sais. Non, c'est moins que ça. C'est moins que ça. Donc, c'est une ville de tiers 3 pour se retrouver dans une ville de tiers 1. Ouais. À Riga, avec un peu plus de mètres carrés. Exactement. Pour un budget équivalent, en fait. Exactement, c'est ça. Ok. T'avais vu Riga sous la neige, c'est ça? Ouais, exactement, et là je peux le voir en plein été, un paysage complètement différent. Ouais, du coup, t'as vu le fleuri, ouais, on voit bien la différence. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu vois et tu remarques en termes de changement? Bah, plus vert que ce que je pensais, c'est vraiment c'est vert, hein. Très vert, ouais, très très vert. Ouais. Moi j'avais vu que tout blanc, vraiment très très vert, très fleuri, très beau. C'est clair, c'est fleuri, bah, regardez ça. Petit 25 degrés, Thomas comme moi, toi tu crains la chaleur. Ouais. On apprécie bien. Voilà, t-shirt, chemise et même petite veste, ça pourrait être supportable. Ça pourrait être supportable en ouais. Soirée peut-être, ouais, tu vois. Là on regardait tout à l'heure, Italie, Sardaigne 48 degrés, Rome 43 degrés, voilà. Tu t'imagines? Non, non, non. Impossible. Non. Impossible. Bien plus agréable. Là. Voilà, là on se dirige chez le notaire, donc on marche du Radisson, du coup on est à côté. Là on choisit un notaire différent que d'habitude, puisque au mois de juillet,
C'était le notaire dispo. Le notaire va parler letton, anglais, mais présence impérative d'une personne qui parle français pour t'assurer que tu connais les éléments. Ouais. Et ensuite, tu t'as suivi tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe en termes de travaux? Alors, parle anglais, la décoratrice qui va faire ses plans, qui va tout me transmettre par le biais de la Finvest, du coup je pourrais tout suivre. Choisir entre plusieurs plans, suivant ce que je veux, mes goûts, et puis après, bah, on lance les travaux. Hein. Bon, les jeunes, c'est là, vu que c'est un appartement qui est déjà livré, rénové, il n'y a plus qu'à poser les meubles. Il n'y a pas grand chose à faire niveau travaux, voire rien, c'est vraiment ouais, poser les meubles, c'est ça. Donc on s'est donné 45 jours pour que l'appartement soit prêt à être loué. C'est pas là, c'est fait. Sinon. Excellent. Well done. C'est tout bon. Tous les paiements ont été faits. On vient de faire les trois paiements là, donc du prix de vente, de l'impôt d'1,5% en tant qu'acheteur particulier. C'est ça. Et du timbre fiscal. Tout ça en 10 minutes dans la voiture. C'est magique. Tes impressions à chaud comme ça, comment s'est passé chez le notaire? Un vendeur très sympathique qui nous a beaucoup aidé et franchement ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, bah, impeccable. Hein. C'est fait. Well done. Merci bien. Je te remercie. C'est un plaisir. Comparé à ton investissement à 3, ouais, beaucoup moins de stress chez le notaire, c'est plus décontracté. Donc moins procédurier, je trouve. Donc non, impeccable. On a une étape suivante, c'est le registre foncier maintenant. C'est une personne qui va déposer le dossier à l'administration, de sorte à ce que tu aies un transfert de propriété qui se passe. Ouais. Et ça se fera demain, puisque là, c'est terminé aujourd'hui. Oui, oui. Et il faut bien qu'on mette les récépissés de paiement. Ouais. Donc sur les trois paiements qu'on a fait, prix de vente, taxes et timbre fiscal, dans l'enveloppe. Ça, bien sûr, ouais. Pendant que tu parles. Non. Il faut faire attention, vraiment, comme je disais, quand on était à trois, à remplir les bonnes séries de chiffres. Sinon, ça marche pas, ça peut coincer. Toujours un plaisir de savoir que l'accompagnement est concluant. T'as pu le voir, ça s'est passé dans le conditions optimales. Est-ce que je travaille? J'ai pas l'impression de bosser et tu peux comprendre pourquoi quand tu vois ça. Quel plaisir de voir des personnes qui adhèrent à la vision de Life Invest. Ça grossit petit à petit, un pas après l'autre, une marche après l'autre. Et c'est vraiment un bonheur que de dépasser la barre des 30 investissements avec Life Invest. Tu l'as vu, on lit pratique et l'agréable. Ça permet de réfléchir différemment, de s'ouvrir à d'autres opportunités, d'autres cultures, de poser des pions à l'étranger comme ça. Et lui est dans une optique patrimoniale, donc il se projette. Ayant eu une petite fille récemment, eh bien c'est typiquement avec ce type d'énergie qu'il a envie de développer sa famille et de développer son patrimoine. Si t'as apprécié le contenu et que ça t'inspire, ajoute un like à cette vidéo et partage-la à un ami que ça pourra inspirer à son tour. Ça me fera plaisir et je peux t'accompagner des ressources intelligentes qu'on met à ta disposition gratuitement avec la lettre privée Life Invest. C'est en description ci-dessous, c'est entièrement gratuit. Ça te permet d'avoir accès à nos derniers contenus, à nos dernières études de cas clients satisfaits et à l'ensemble de l'écosystème Life Invest et à ses opportunités en avant-première. Et si tu veux aller plus vite, que tu as un besoin urgent de sécuriser ton patrimoine, de développer tes sources de revenus pour couvrir partie ou totalité de tes dépenses mensuelles grâce à l'investissement, mais pas n'importe où, et ce de manière déléguée, eh bien va sur Life Invest, www.lifeinvest.eu pour découvrir nos dernières offres d'investissement clés en main. Allez, je te laisse avec une belle vue d'Eriga. Merci pour ton attention.